Après 2 semaines d'une prise en charge médicale rapide, la veuve du deuxième cas détecté à Goma en provenance de l'Ituri vient d'être déclarée guérie avec son fils d'une année. La cérémonie de déchargement de guérie d'Ebola a eu lieu ce mardi 13 août à l'hôpital général de référence de Goma. Déclaré positif au début du mois d'août après le décès du père et de l'un des enfants de la famille, la veuve et son fils ont été pris en charge rapidement au niveau du centre de traitement d'Ebola installé à l'hôpital général de Goma. Dans son intervention, le docteur Jean-Jacques Muyembe a indiqué que cette cérémonie est un message fort pour dire que Ebola n'est pas synonyme de mort. Ebola est guérissable, avant d'ajouter qu'il y a des médicaments contre Ebola. Si le malade se présente tôt dans le CTE, il y a plus de chances pour en sortir guéri. Rappelons que, après le décès du deuxième cas, tout le contact était vacciné pour couper la chaîne de contamination. Depuis Goma, Melia Lola pour Media Plus TV.